chers amis, merci bien de cet accueil très chaleureux. Je suis content d'être avec vous ce soir, d'être avec cette belle communauté africaine, d'écouter vos chants, de voir aussi vos familles, les enfants, et de pouvoir célébrer l'Eucharistie avec vous, de pouvoir remercier le Seigneur pour tous ses dons, pour tout ce qu'il nous donne chaque jour dans notre vie, dans nos familles, dans le travail. Comme évêque d'Anvers, je suis content aussi qu'il y a cette communauté africaine de langue française dans notre ville et dans notre église. L'église, elle est catholique, ça veut dire universelle, sans frontières. L'église est une famille, une seule famille qui englobe tout le monde et des communautés de toutes les langues et de toutes les couleurs. Et votre communauté est un enrichissement pour notre église locale. Voilà pourquoi je suis content d'être avec vous et de pouvoir célébrer cette Eucharistie avec vous ce soir. Je suis content de voir le Père Jan Hendrix qui chaque semaine célèbre pour vous, qui prend soin aussi un peu de toute la pastorale auprès de vos familles, le Père Jan de Hont, qui le curé qui vous accueille ici dans son église, et puis l'abbé Rickhout, que je viens de nommer vicaire épiscopal, entre autres pour toutes les communautés d'autres langues et d'autres origines à Anvers, pour faire un peu le pont entre les différentes communautés et aussi entre les communautés et l'évêque, pour nouer des rapports, des liens entre la grande, cette grande diversité de communautés que nous avons chez nous. Et maintenant, frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant le pardon de Dieu.